Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma petite miellerie. Je vais vous montrer comment je fais mon extraction et ma récolte d'été. Je n'ai pas pu vous la montrer en vidéo, celle de printemps, puisque j'ai été un peu pris au dépourvu, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai préparé mes quadrières, la désoperculation, l'extraction et la mise en pot après, bien sûr. Et comme on peut voir derrière moi, en fait, l'hiver se prépare. Même si on est encore en été en apiculture, la saison va de fin mars, on va dire à peu près, jusqu'à début août. Et après, entre août et mars, et ben là, c'est là qu'on prépare toute la partie que les gens ne voient pas, la préparation de cadres, les nettoyages et tout ce qui est beaucoup moins agréable. Donc là, la préparation des cadres que j'ai fait hier, donc, je vous montre un petit peu. Donc là, sur les côtés, il n'y a rien à récupérer, rien à récolter. Et sur la partie où il y a des choses à récolter, on est sur un 3/4 d'operculation. Donc, on est prêt à extraire. Ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs autour de chez nous en campagne. C'est déjà, la sécheresse, c'est sec. Il n'y a rien. Et il y a peu de fleurs. Mais je trouve ça inquiétant, parce qu'à la campagne, on pourrait se dire qu'il y a plus de fleurs, mais non. Bon, là, dans le cadre, il y a à peu près un bon kilo, je pense. Mais on verra bien la fin, le résultat. Donc là, je vais vous montrer comment je fais la désoperculation. Et après, on va préparer à mettre dans l'extracteur. Bon, allez, on est parti. Donc là, on est parti pour la désoperculation. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas un travail de fourmi, mais presque. Puisqu'en fait, moi, j'essaye vraiment d'enlever le minimum de cire. Pour éviter d'en avoir trop, alors redonner à travailler, parce qu'en plus, quand j'enlève trop la cire, bah, je détruis la moitié du cadre, hein, bien sûr. Mais alors, vous voyez, en plus, c'est pas d'une pratique. Et si on enlève trop, en fait, comme moi, je leur redonne à lécher dans les hausses et je mets un nourrisseur au-dessus, en fait, elles détruisent encore plus le cadre. Et d'où ce qui leur donne encore plus de travail pour l'année d'après. Donc vous voyez, c'est quand même un travail de fourmi. Je vous cache pas que forcément, j'ai pas 50 ans d'expérience, hein, mais c'est vraiment un travail de fourmi. Et puis, c'est pas, ça colle, bien sûr. Donc, vous voyez, ça coule déjà pas mal. Bon, je vais mettre un peu en vitesse accélérée parce que je crois qu'avant que mon cadre soit fini, tout le monde va plonger de sommeil. Les derniers petits bouts, hop, et donc après direction extracteur. Yep. Donc un deuxième. Alors oui, la petite pointe qui est là à la base, c'est fait pour tenir le cadre dans ce sens-là, pour le pivoter, ou on peut le mettre aussi comme ça. Mais dans le cadre en plastique, le bâti cadre, ça tient pas, ça glisse. Donc le cadre en bois tient beaucoup mieux dans la rainure, d'où la partie rainée.
Et là, en fait, ce qu'on voit de rouge ici, ce qu'on voit rouge en dessus, la partie rouge juste là, c'est de la propolis. Donc, c'est prévu de récolter ça, mais dans les années un peu plus tard, parce que je veux d'abord bien maîtriser tout ce qui est apiculture, on va dire les bases, récolter le miel, que ça, il n'y a pas de souci, et puis on verra pour la propolis, le pollen, un peu plus tard. Je veux surtout arriver à faire le miel bien correctement et pouvoir récolter et vous faire plaisir. Bon, je vais pas vous filmer toute la désoperculation parce que sinon vous en avez pour 3 jours. Donc je vais désoperculer et on se reprend après pour l'extraction.